Une jeune fille se promenait et disparut dans des circonstances inhabituelles. Ce qui arriva ensuite fut très surprenant. Personne ne s'attendait à autant de retournements inattendus et de découvertes choquantes. Cet incident devint l'un des plus confus de l'histoire, mais finalement, les enquêteurs purent découvrir la vérité. Christy Malins a grandi dans une famille nombreuse à Columbus, dans l'Ohio. Elle est née le 28 août 1966. Avec ses quatre frères et sœurs, il profitait de la vie dans une banlieue tranquille, loin du bruit des rues de la ville. Durant l'été 1975, Christie adorait passer du temps à l'extérieur, particulièrement en visitant la piscine locale, située près de chez elle, dans un quartier, où vivaient beaucoup de ses amis. Un jour, le 22 août, on proposa à Christie un travail à temps partiel comme nourrice. Le lendemain, après avoir dormi tard jusqu'à midi, Christy décida de profiter de cette journée chaude où le thermomètre atteignait 34 degrés et alla à la piscine. Avec sa sœur cadette Kim, elles allèrent au complexe résidentiel où se trouvait la piscine. Kim plongea immédiatement dans l'eau fraîche tandis que Christy décida de rester sur un transat au soleil. Peu de temps après que Christy et son amie ont discuté au bord de la piscine et sont partis ensemble, Kim a été surprise que sa sœur l'ait laissée seule sans avertissement. Cependant, elle a décidé de ne pas les suivre et est restée nager. Plus tard, Kim est rentrée chez elle, mais n'a trouvé aucune trace de ses sœurs. Quelques heures plus tard, elle a commencé à s'inquiéter, car Christy n'était même pas revenue pour le déjeuner. La jeune fille est sortie dans la rue à la recherche de sa sœur, et a rapidement rencontré un voisin qui lui a transmis un message étrange. Il y a quelques heures, à quelques kilomètres d'ici, une personne a été trouvée, dont l'identité n'a pas encore été établie. Kim est rentré précipitamment et a partagé ses informations avec ses parents, qui ont immédiatement contacté la police et déposé un avis de disparition. La police les a invités à venir sur le site, où les effets personnels étaient gardés pour aider à l'identification de la personne trouvée. Au début, les parents ne reconnaissaient pas la jeune fille, mais la mère a remarqué une marque distinctive sur la jambe et a réalisé que c'était Christy. Les enquêteurs, après avoir confirmé son identité, ont informé les parents des détails de l'incident et ont mis l'accent sur l'importance de soutenir leur famille pendant cette période difficile. Peu après 13h30, le service de secours a reçu un appel d'un homme qui a signalé une découverte intéressante dans la forêt derrière le centre commercial. Avec sa femme et son fils, il était en route pour acheter des jouets pour son fils. Mais avant d'entrer dans le magasin, son fils voulait explorer la zone boisée derrière le bâtiment. Là-bas se trouve un sentier bien connu des locaux, qui mène à la rivière et est souvent choisi pour sa beauté pittoresque. Déterminés à profiter de la nature, ils ont suivi le sentier. Sur le chemin du retour, ils ont vu une scène inhabituelle. À quelques dizaines de mètres du sentier, quelqu'un se penchait sur quelque chose, tenant une branche. Lorsqu'il a remarqué qu'il était observé, il s'est rapidement levé et a disparu entre les arbres. L'homme a immédiatement appelé le service de secours et décrit l'incident, en soulignant qu'il était nécessaire de vérifier le site de cet événement inhabituel. Au bord de la route, près du lieu de l'incident, le père de famille a trouvé des objets, suggérant un événement désagréable. Son épouse, qui avait une formation médicale, a tenté d'aider, mais il était déjà trop tard. Comme il n'y avait pas de téléphone portable, l'homme s'est précipité vers le centre commercial le plus proche pour appeler la police. Le couple a décrit aux enquêteurs un inconnu, un jeune homme, grand et mince, d'environ 20 ans. Avec de longs cheveux foncés jusqu'aux épaules, il portait des shorts en jean et des bottes. Sur la base de cette description, la police a rapidement établi un portrait robot. L'examen du lieu de l'incident n'a pas donné les résultats escomptés. Un morceau de bois, probablement utilisé pendant l'incident, a été retrouvé, mais aucun indice important n'a été trouvé pour identifier l'inconnu. Le t-shirt et les bottes que Christy portait ce jour-là. Ont été retrouvés à proximité. Les experts médicaux n'ont toutefois pas pu trouver d'autres indices importants qui pourraient aider à l'enquête. Les enquêteurs soupçonnent que le coupable n'a pas pu accomplir son plan car il a été remarqué par des passants. La police, malgré l'absence d'indices au début, a rapidement trouvé une direction pour poursuivre l'enquête. La sœur cadette de Christie a déclaré qu'elle avait vu la jeune fille pour la dernière fois à la piscine en compagnie de son ami Carole. Les enquêteurs ont décidé de rencontrer Carole pour obtenir plus d'informations. Elle a raconté que le jour de la disparition, un inconnu a appelé, en prétendant être un DJ d'une station de radio locale. Il l'a informée qu'un concours de curling aurait bientôt lieu dans leur ville, avec des billets gratuits pour la foire d'État comme prix. L'événement devait commencer au centre commercial 35 minutes avant une heure et elle devait attendre à la lisière de la forêt pour recevoir d'autres instructions, ce qui apparut suspect aux enquêteurs. Mais les détails supplémentaires étaient encore plus étranges. Initialement, Carole avait prévu d'aller à l'événement avec sa sœur, mais en chemin, elles ont croisé Christy et sa sœur. Finalement, Carole a invité Christy à les rejoindre. Après avoir laissé leur sœur derrière elles, elles se sont rendues au centre commercial et ont atteint le début du sentier où elles ont décidé d'attendre en s'asseyant sur une clôture cependant personne n'est venu après un certain temps Carole est partie pour vérifier l'heure au centre commercial et est revenue quelques minutes plus tard mais Christine n'était plus là Carole a attendu encore un peu mais comme personne n'est apparu elle a finalement décidé de partir au cours de l'enquête la police n'a trouvé aucune confirmation qu'un concours de curling avait eu lieu dans la ville. Les enquêteurs soupçonnent que l'appel était soit une tentative pour quelqu'un de créer des conditions favorables, soit simplement une blague qui n'avait rien à voir avec la disparition. Dans ce cas, l'identité de l'appelant n'a pas pu être déterminée, car il était impossible de retracer l'appel. L'enquête a également rencontré des déclarations contradictoires de Carole. Elle a affirmé qu'elle avait rencontré Christy et sa sœur par hasard en chemin vers le centre commercial, tandis que Kim insistait sur le fait que la rencontre avait eu lieu à la piscine. La situation s'est compliquée lorsque, le soir même, la mère de Christy et Carole ont eu une conversation inhabituelle près de la maison. Carole s'est excusée et a exprimé ses regrets quant à la tournure des événements, ajoutant. Qu'elle aurait dû être à la place de Christie et que deux personnes étaient impliquées. La mère stupéfaite a tenté d'en savoir plus, mais Carole a coupé court à la conversation et est partie. Cette information a été transmise à la police qui a de nouveau interrogé Carole. Cependant, elle a nié ses déclarations précédentes et a maintenu sa version initiale des faits. Lors d'un interrogatoire avec détecteur de mensonges, aucune trace de mensonge n'a été trouvée dans ses réponses, ce qui a permis de la rayer de la liste des principaux suspects. Les jours suivants, après que la nouvelle de l'incident se soit répandue dans le quartier, le public s'est inquiété, conscient, que le responsable de l'incident était toujours en liberté. Cela a été aggravé par les suppositions de la police, que l'affaire pourrait être liée à quelqu'un de la population locale, qui connaissait bien les environs du centre commercial. Au cours des trois jours qui ont suivi l'incident, les forces de l'ordre ont intensifié la recherche du suspect, et un tournant est bientôt apparu. À 5 heures de l'après-midi, un policier patrouillait dans le centre de Columbus lorsqu'il aperçut soudain une personne dont le visage ressemblait étrangement à celui de la photo d'avis de recherche basée sur des témoignages. Le policier a immédiatement contacté les enquêteurs, qui sont rapidement arrivés sur place. L'homme qui s'est présenté comme Jack Carman, âgé de 25 ans, a été invité à se rendre volontairement au poste de police, pour une conversation. Malgré son consentement et sa volonté de coopérer, les agents ont été confrontés à un nouveau problème. Jack présentait des particularités de santé mentale, ses capacités intellectuelles, évaluées à 50 points, nécessitant une approche spécifique. Il vivait dans des logements, fournis par une organisation caritative où il travaillait également. Des difficultés sont apparues, en raison de ses problèmes de lecture, d'écriture et d'expression de ses pensées. L'interrogatoire a duré six heures, et pendant ce temps, Jack répondait généralement par un mot ou restait silencieux. Les agents ont commencé à douter qu'ils comprenaient pleinement les questions. Mais lorsqu'ils sont passés aux formulations les plus simples et les plus claires, il a commencé à leur fournir des informations. Selon son témoignage, il a quitté sa maison ce jour-là, a pris le bus jusqu'au centre commercial pour acheter des vêtements. En traversant le parking, il a vu Christy au début d'un sentier qui menait à la forêt et s'en est approché. Les événements se sont rapidement enchaînés et après des actions inappropriées, il est rapidement retourné sur la route et est monté dans le bus. Le lendemain, les agents sont allés dans la forêt avec Jack où il a montré l'endroit où il avait agi. Pendant l'enquête, Jack partagea des informations que seul quelqu'un impliqué directement dans l'incident pouvait connaître. Par exemple, il mentionna qu'un objet en bois s'était brisé en deux. De plus, une procédure d'identification fut menée pour que le couple qui avait trouvé Christy en premier puisse identifier la personne qu'ils avaient vue ce jour-là. Sans hésitation, ils désignèrent Jack et plusieurs chefs d'accusation lui furent alors présentés. Bien que certaines allégations n'aient pas été confirmées par des experts médicaux, Jack les avoua lui-même, ce qui permit au procureur de ne pas retirer ses points de la liste des charges. Le procureur poursuivit la peine la plus sévère prévue par la loi de l'État. Cependant, la défense de Jack proposa, avec son accord, un accord dans lequel il reconnaîtrait ses actes au tribunal et recevrait une peine d'emprisonnement à vie. L'affaire attira l'attention de milliers de spectateurs et se développa avec une vitesse incroyable. Dès le 3 septembre, 11 jours après l'incident, Jack fut condamné à la prison à vie. Mais ce procès rapide fit douter beaucoup de sa culpabilité. Avec chaque nouveau rapport dans les médias sur les aveux de Jack et les détails de sa personne, de plus en plus de gens commencèrent à se demander s'il était réellement impliqué dans l'incident. Tous ceux qui connaissaient Jack ne croyait pas au départ qu'il pourrait faire quelque chose de mal. Ils dirent qu'il était toujours calme et qu'il pouvait tout accepter, si on le poussait fermement, même si ce n'était pas le CA. Par exemple, dans une organisation caritative, il assuma la responsabilité d'une chaudière défectueuse, alors qu'il n'y était pour rien. Il avait aussi du mal à décrire les événements en détail, parce qu'il ne parlait généralement pas beaucoup, mais la police affirma qu'il avait tout décrit en détail. Seize connaissances pensaient que les enquêteurs pouvaient lui donner des indices, en posant des questions, qui contenaient déjà les réponses. Par exemple, il lui demandait s'il avait utilisé quelque chose lors de l'incident, et si Jack disait oui, cela pouvait être interprété comme un aveu. Son thérapeute déclara qu'il pouvait dire oui à tout sous pression, surtout si on lui disait les conséquences possibles. Six supporters découvrirent que la police l'avait amené sur les lieux de l'incident avec des témoins, un couple, qu'il avait plus tard reconnu parmi d'autres personnes. Cela donnait l'impression qu'il le connaissait déjà, avant qu'il ne soit officiellement reconnu. La police déclara que les témoins n'avaient pas vu Jack avant ce jour-là, mais personne ne les crut. Dans ce cas, il y avait plusieurs aspects qui soulevaient de sérieuses questions. Par exemple, la police n'a pas réussi à trouver un seul témoin parmi les chauffeurs de bus ou les passagers capable de confirmer avoir vu Jack sans haut dans le centre-ville, bien qu'il ait affirmé être rentré chez lui de cette façon. Cependant, le point crucial résidait dans les témoignages de plusieurs personnes de l'organisation caritative où Jack vivait et travaillait. Ils ont témoigné l'avoir vu vers midi ce qui rendait impossible sa présence dans le centre commercial de la périphérie à 11h55. Même s'il était parti immédiatement après les déclarations, le trajet en bus vers le centre commercial aurait pris au moins 40 minutes. Toutes ces circonstances ont amené beaucoup de gens à douter de sa culpabilité, et certains soupçonnaient même que la police avait pu manipuler sa confession. Même les parents de Christie doutaient de sa participation à l'incident. Le 9 septembre, seulement six jours après le verdict, environ 70 personnes se sont rassemblées devant le bâtiment de l'administration municipale pour attirer l'attention sur l'affaire et exiger une enquête approfondie. En conséquence, un comité public a été créé, pour obtenir justice, ce qui a aidé Jack à trouver un nouvel avocat, qui a immédiatement déposé une demande de révision du dossier. Quelques mois plus tard, le juge a annulé la confession de Jack et fixé une nouvelle audience, lors de laquelle l'accusation devait prouver à nouveau sa culpabilité, ce qui semblait presque impossible. Pendant la préparation du nouveau procès, Norman Malins, le père de Christie, a lancé sa propre enquête. Dès le début, il était convaincu de l'inefficacité des enquêteurs et décida de ne pas compter sur la police, mais de chercher lui-même des réponses. Le 9 septembre, Seulement six jours après le verdict, environ 70 personnes se sont rassemblées devant le bâtiment de l'administration municipale pour attirer l'attention sur l'affaire et demander une enquête approfondie. En conséquence, un comité public a été formé pour obtenir justice, ce qui a aidé Jack à trouver un nouvel avocat, qui a immédiatement déposé une demande pour réexaminer l'affaire. Quelques mois plus tard, le juge a annulé l'aveu de Jack et a programmé un nouveau procès lors duquel l'accusation a été contrainte de prouver à nouveau sa culpabilité, ce qui semblait presque impossible. Alors qu'il se préparait pour le nouveau procès, Norman Malins, le père de Christie, a commencé ses propres enquêtes. Dès le début, il était convaincu de l'inefficacité des enquêteurs et a décidé de ne pas compter sur la police, mais de chercher des réponses par lui-même. Peu de temps après l'incident, un homme accompagné de quelques résidents s'est rendu dans la forêt pour enquêter. Pendant la recherche, il a trouvé un short en jean et ses amis ont découvert des sous-vêtements pour hommes. Ces objets ont été remis à la police, qui au départ n'y a pas accordé beaucoup d'importance. Il est resté flou, si finalement ils ont été ajoutés aux archives de l'affaire. Deux ans après les événements, un nouveau procès a commencé dans l'affaire de Jack. La défense au tribunal avait deux objectifs principaux prouver l'innocence de Jack et trouver le véritable coupable. Ils avaient déjà un candidat, Henry Newell, l'homme qui avait trouvé Christie avec sa femme. À ce moment-là, il avait 25 ans. Au début du procès, la défense a présenté une liste impressionnante d'arguments suggérant que Henry pourrait être impliqué dans le crime. Au fur et à mesure que le procès avançait, les preuves contre lui s'accumulaient. Henri avait un passé de délinquance depuis sa jeunesse, avait été en prison plusieurs fois, et avait échappé à la justice deux fois, avant d'être à nouveau arrêté. Au moment du début du procès, il purgeait une quatrième peine pour manipulation de sa maison, pour obtenir un paiement d'assurance. L'analyse des archives de l'affaire de Christie a révélé plusieurs points suspects. En particulier, Henri a affirmé dans sa déclaration que lorsqu'il a trouvé Christie, il a immédiatement déplacé une poutre en bois. Il justifiait ses actions par le stress, mais ses actes semblaient néanmoins douteux. Ramasser des objets liés à l'incident et les éloigner du véritable lieu des faits sans raison apparente était inhabituel. De plus, il a dit qu'il voulait aider. C'est pourquoi il a enlevé sa chemise et l'a placée sur le visage de Christie. Ce geste a également soulevé des questions. Voulait-il vraiment aider ou tentait-il de cacher des traces sur sa chemise? Les avocats de Jack ont découvert que Henry avait couru au centre commercial le plus proche après l'incident pour appeler la police. Une employée du magasin a remarqué qu'il ne portait que des shorts en jean, bien qu'il ait changé de vêtements avant l'arrivée de la police. Cette même employée a remarqué une trace fraîche sur son visage que la police avait pour une raison quelconque ignorée. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas partagé cette information immédiatement, elle a dit que personne ne l'avait interrogé à ce sujet. Néanmoins, les enquêteurs auraient probablement dû remarquer cet indice, mais ils ne l'ont pas fait. Il est intéressant que Henri n'ait initialement pas objecté à passer le test du détecteur de mensonges, mais qu'il l'ait ensuite annulé en raison de son malaise. Par conséquent, la police a décidé de ne pas l'interroger à nouveau. Dans cette histoire, le voisin de Henry s'est impliqué, partageant des informations cruciales. Le soir de l'incident, il a remarqué de nombreuses égratignures fraîches sur les bras de Henry. De plus, le voisin a vu un câble téléphonique dans le garage de Henry qui ressemblait à celui qui a été trouvé plus tard parmi les preuves. Ces informations ont poussé les enquêteurs à réfléchir davantage. Le voisin a ajouté que Henry lui avait raconté une histoire étrange. Sur la façon dont lui et Carole, une connaissance de Christie, avaient passé du temps à la piscine quand Henry avait 25 ans. Cette histoire a soulevé de nombreuses questions, bien qu'elle n'ait été confirmée par personne. Néanmoins, cette histoire a confirmé que Henry connaissait Carole, qui était également impliquée dans l'affaire. Lors du procès, l'épouse de Henry, Pam, a témoigné. Elle a confirmé. Qu'ils étaient effectivement allés au centre commercial ce jour-là pour faire des achats. Par la suite, leur fils est allé dans la forêt où il a trouvé quelques objets étranges. Pam a ajouté que Henry était à la maison jusqu'à ces moments et n'était sorti que brièvement pour enquêter sur un bruit d'étrange. Carole a assuré au tribunal qu'elle n'avait jamais connu Henry. Elle a répondu aux questions concernant ce qu'elle entendait par les choses avaient été trop loin. Bien qu'elle ait nié devant le tribunal, avoir jamais dit ces mots. Henry, qui a été amené directement de la détention à la salle d'audience, a répété son histoire originale et a insisté sur son innocence dans l'incident. L'enregistrement vidéo complet de l'interrogatoire de Jack est devenu un moment clé du procès. Après avoir visionné la vidéo, il est devenu évident que Jack était sous pression pour confirmer. Des informations fournies par les enquêteurs concernant sa participation à l'incident. Jack semblait réticent et ne semblait pas tout à fait comprendre ce qui était attendu de lui. Mais ce n'était pas encore le moment le plus sensationnel du procès. Au cinquième jour des audiences, un témoin inattendu est apparu, que ni l'accusation ni la défense n'avaient anticipé. C'était Bobby, le fils adoptif de Henry. Son témoignage a surpris tous les présents. Bobby a rapporté que Henry avait effectivement quitté la maison pour chasser les enfants bruyants de leur cour. Contrairement au dire de sa mère, l'homme était parti bien plus longtemps, plus de 30 minutes. À son retour, il manquait ses sandales et son t-shirt, et on pouvait voir des traces sur son visage et ses mains. Ensuite, Henry a demandé à sa femme Pam de passer dans une autre pièce pour parler. Après cela, ils ont dit à Bobby qu'ils allaient au centre commercial. Là, ils ont emprunté un sentier forestier derrière le bâtiment. Bobby a souligné qu'il n'avait pas demandé à se promener exactement là, contrairement aux affirmations de ses parents. Peu après, ils ont trouvé une des sandales déchirées de Henry. Plus loin, ils ont trouvé d'autres indices. Sa mère a immédiatement demandé à Bobby de garder le silence sur ce qui s'était passé. Le garçon a décidé de parler après une conversation avec son père biologique, qui l'a convaincu de ne pas cacher les informations, de dire la vérité. Lors d'une audience judiciaire, la grand-mère de Henry partagea des souvenirs d'un voyage qu'elle avait fait avec lui et Pam à une cérémonie en mémoire de Christie. Sur le chemin du retour, elle exprima son inquiétude concernant la situation, sur quoi Henry fit remarquer de manière inattendue que cela devrait inciter les participants à être plus prudents dans leurs déclarations. Un ami de Henry témoigna également que Henry lui avait une fois avoué un comportement inapproprié involontaire. Le procès révéla que Jack n'était impliqué en rien dans l'incident, et finalement toutes les accusations contre lui furent abandonnées. Cependant, le moment particulièrement intéressant fut lorsque le procureur refusa de rouvrir le CA malgré les arguments convaincants contre Henri. Il prétendit que l'enquête originale avait été correctement menée et ignorait le fait que de nombreux détails importants avaient été négligés. Cette décision déclencha une indignation publique et seulement deux jours plus tard, le procureur se vit obligé de reconsidérer sa décision et accepta de rouvrir l'enquête. Malheureusement, l'enquête rouverte reposait sur les données initiales, y compris les témoignages de Henry et Pam. Par conséquent, les enquêteurs recherchèrent de nouveaux suspects qui ressemblaient à Jack, ce qui n'a pas mené à des résultats significatifs. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, l'enquête fut close. Le père de Christy n'abandonna pas. Il était déterminé à découvrir la vérité et alla à la même jusqu'à intenter une action civile contre Jack. Bien qu'il ne croyait pas que Jack était impliqué dans l'incident, cette procédure lui donnerait accès au dossier de l'affaire et la possibilité de les étudier. Malheureusement, ces efforts n'ont pas abouti aux résultats souhaités. En 2006, la santé du père de Christie s'est détériorée, et il ne pouvait plus continuer le combat. L'histoire de Christie a été mise en pause pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'en 2013, elle attire l'attention d'un ancien avocat nommé John Waller. Il décida de lancer sa propre enquête, en contactant tous ceux liés à l'affaire, à la recherche de nouveaux indices. La famille de Christie lui remit une boîte de documents que son père avait recueillis. Après avoir examiné ces, ces documents et de nombreuses conversations, John conclut que personne d'autre que Henry n'était derrière l'incident. Au cours de son enquête, il découvrit que son ami Christie Carroll n'avait pas vraiment les meilleurs loisirs à l'époque. En creusant davantage, il découvrit qu'elle était probablement une cliente régulière chez Henry. Cela devint un nouveau lien qui la reliait à Henry et pourrait expliquer pourquoi la jeune fille était allée dans la forêt. John soupçonnait que toute l'histoire avec le DJ était fabriquée et que Carol avait en réalité rendez-vous avec Henry dans la forêt pour acheter quelque chose. Elle avait peut-être invité Christie sous un autre prétexte, en utilisant la même histoire inventée. Une des théories avançait que Christie était peut-être là à la demande de Henry, qui avait l'intention de commettre des actes inappropriés envers elle. Cependant, son plan n'a pas fonctionné, comme en témoignent les traces sur ses mains et sur son visage. Finalement, un incident s'est produit, qui est rapidement devenu public. Au cours de l'enquête sur cette affaire, John a découvert que Henry avait déjà été impliqué dans plusieurs autres incidents. Parmi eux, un incident avec sa femme Pam, qui n'a jamais été porté devant les tribunaux. En 1982, Pam a demandé le divorce. Un mois plus tard, elle a été retrouvée dans son propre appartement, où elle vivait encore avec Henry. Selon la note trouvée, La cause de l'incident était une grande quantité de somnifères. Cependant, les proches de Pam pensaient que Henry pourrait être impliqué dans l'incident, surtout que l'emballage des sédatifs n'avait pas été trouvé dans l'appartement, ce qu'il est improbable que Pam ait jeté elle-même. Cette partie de l'histoire est restée la plus mystérieuse et nécessitait de plus amples investigations. En l'an 2013, lorsqu'un nouvel avocat a repris l'affaire, Henry, âgé de 63 ans, faisait face à de graves problèmes de santé. Néanmoins, il n'abandonna pas son travail et publia un livre qui résumait toutes les informations concernant l'affaire Christie. Cette publication a suscité un regain d'intérêt pour l'incident et les proches de Christie ainsi que d'autres parties intéressées ont commencé à demander activement la réouverture de l'enquête. À la même époque, plusieurs proches de Henry ont approché John, affirmant que leur famille était au courant depuis longtemps de sa possible implication dans l'incident. Mais avait choisi de se taire. Une parente a raconté une histoire qui s'était produite quelques mois avant son anniversaire, quand Henri lui avait offert une voiture. Pendant le trajet, il proposa soudainement de s'arrêter et avoua qu'il avait été impliqué dans ce e crime. Il lui a raconté les détails des événements, mais au début, la femme ne le croyait pas, pensant que c'était une invention, parce que Henri buvait souvent de l'alcool. Toutefois, après avoir lu le livre de John Holler, elle a commencé à voir la situation sous un nouveau jour. Tous ces événements ont conduit à la reprise des enquêtes en mai 2014. Dans les mois suivants, d'autres interrogatoires et analyses de preuves ont été effectués. Dans le témoignage du parent de Henry, des détails ont été mentionnés qui n'avaient pas attiré l'attention auparavant, bien que les experts médicaux n'aient initialement trouvé aucune preuve sur les vêtements de Christie. Les technologies modernes ont permis de découvrir des traces mineures. Malheureusement, elles étaient si faibles qu'une analyse ADN n'était pas possible. Les enquêtes ont continué jusqu'à la fin de 2015, lorsqu'une conférence de presse a été tenue. Quarante ans après les faits, les enquêteurs ont déclaré qu'ils n'avaient aucun doute sur l'implication de Henry. S'il avait encore été en vie, une procédure officielle aurait pu être engagée contre lui. Malheureusement, il n'était pas possible de porter l'affaire devant les tribunaux. Elle a été classée comme résolue et les enquêtes ont été clôturées. Sans l'aveu de Henri, la police ne pouvait pas être complètement sûre de ces eux qui ce qui s'était passé ce jour-là. Cependant, les enquêteurs avaient une idée approximative des événements. Il semble que Henri ait suivi le chemin derrière le centre commercial où Carole aurait pu l'attirer sous prétexte de faire des achats. Les circonstances exactes de ce moment restent non confirmées. Après avoir trouvé Christie seule, Henri a décidé d'agir selon la situation. Ensuite, il est rentré chez lui et a commencé à élaborer un plan avec sa femme pour échapper aux conséquences. Au fil des ans, Carole n'a jamais partagé toute la vérité, ce qui n'exclut pas sa possible participation aux événements. Peut-être qu'un jour, elle révélera ce qui s'est passé. Lors d'une conférence de presse, la police s'est excusée auprès de la famille de Christie pour les erreurs commises par leur prédécesseur au premier stade de l'enquête. Il y avait suffisamment de preuves pour accuser Henri, mais il semble que les enquêteurs précédents avaient négligé ou ignoré ces ais-indices.